Secrétaire général de la CGT nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Bernard Thibault. Bonsoir. Avant d'évoquer la journée de demain, un mot de cette grève dont on vient de parler, des contrôleurs de la région. Est-ce que vous vous sentez plus concerné, vous, l'ancien cheminot ? Toujours cheminot, d'ailleurs. Non, je me sens beaucoup concerné par tout ce que je constate dans les services publics en général. Je circule beaucoup depuis cette rentrée dans tous les services publics avec cette politique gouvernementale qui consiste à ne pas remplacer un fonctionnaire sur deux partant en retraite. Nous voyons les répercussions pour la population qui ne sont pas toujours visibles, mais à l'hôpital, à la poste, dans les secteurs financiers, aux impôts, aux services douaniers. Même la sécurité est affectée maintenant par cette politique restrictive de l'emploi. Et moi, je comprends que les contrôleurs, ça a d'ailleurs été un cri aussi de colère qui s'est exprimé la semaine dernière à propos du drame que chacun a en mémoire. Alors demain, vous serez à Marseille. Pourquoi avoir choisi la cité phocéenne ? C'est la voie porte mieux quand on est à Marseille ? Pourquoi pas Marseille, après tout ? Marseille, c'est un département combatif, revendicatif, où il y a de gros enjeux industriels. Vous savez qu'en plusieurs endroits, la raffinerie, j'irai rendre visite aux Fralib qui occupent leur entreprise, elle est aussi symbolique d'un certain nombre d'enjeux du moment, à la fois sur la précarité, l'austérité, nous dit le gouvernement, alors que la précarité gangrène notre société, et aussi des mesures qui, s'agissant de la gestion de certains groupes, portent des préjudices qui peuvent être fatales pour notre pays si on laisse fermer des industries aussi performantes que nous pouvons l'avoir, notamment dans les Bouches-du-Rhône. Demain, vous protestez contre le plan d'austérité ou de rigueur du gouvernement. Concrètement, qu'est-ce que vous nous demandez à François Fillon aujourd'hui ? Dénoncer les mesures qui ont été annoncées fin août, augmentation de la taxe sur les mutuelles, 1,2 milliard qui vont être prélevés dans la poche des salariés. On nous dit que les plus fortunés vont être appelés à l'effort. C'est 200 millions d'un côté. Et encore, pour une année, c'est une mesure ponctuelle. L'augmentation des cotisations pour la mutuelle, c'est pérenne si on laisse faire. Ça va priver de soins, alors que je rappelle 29% déjà des ménages se privent de soins pour des raisons financières. Ça va priver de soins des jeunes ou des plus âgés pour des raisons financières qui renonceront à avoir une mutuelle. L'augmentation de certains prix, c'est non à l'austérité, d'une part, qui se généralise en Europe, et pour un autre partage des richesses, parce que ça n'est pas la crise pour tout le monde dans cette période. Pour se faire entendre, est-ce qu'il vaut mieux pas une unité syndicale ? C'est pas le cas demain, pourquoi ? Bien sûr, nous avons travaillé en ce sens depuis le mois de juin. Nous avions dit qu'il fallait nous mettre à l'offensive, à l'image de ce qui se passe dans tous les pays européens. Il n'y a pas qu'en France qu'il y a des défilés syndicaux, on en parle un peu moins, mais en Italie, en Espagne, au Portugal, à Budapest samedi dernier, les Anglais préparent un mouvement aussi national face à des mesures d'austérité, de réforme du droit du travail. On est sur un moins-disant social à l'échelle européenne. Cette Europe va dans l'impasse et je crois que cette impatience au changement dans la perspective des présidentielles qui, quelque part, s'est un peu exprimée à l'occasion de cette consultation organisée par le Parti Socialiste ce dimanche, confirme bien une attente d'avoir d'autres politiques sur le plan économique et social. C'est le sens de notre message de demain. Merci Bernard Thibault d'avoir répondu à nos questions. À Nice,